Je rapproche où? Tu veux l'arrêter? Non, j'arrête. C'est bon. Y'a plus, j'arrête. C'est. En tout cas, toi tu vas, toi tu continues à parler, non? Va fumer, va prendre. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est vous qui nous avez d'abord dit que la route, qui était en train de faire la route? Qui était en train de faire la route? Oui, que la route, c'est les qui ont pris ce marché. Okay. Et maintenant, il ne travaille plus depuis quand? La route a abandonné. Une semaine. Et quand il pleut ici, chaque jour, ça comme ça. Quand il pleut, c'est plus pire que ça. Donc maintenant, là, c'est mieux. Ok, merci. So yeah, the flow here is pretty slippery. I mean, anyone can. I mean, look at that man. That's it. Look at him. See, he's going down the wheelbarrow, and you know he could easily like slip. And like it's going downhill, and you know this is a market where people like you know come and buy everyday stuff, and someone can seriously injure themselves. So that someone can easily injure themselves just going down this hill, and my shoes are all you know dirty, and I got mud everywhere, and I did almost trip down there on the where there's a little dig up down there and almost slipped there. So it's quite easier. It's easier to walk where there's water rather than where there's mud, like sort of like there. So yeah. But what can you say? I mean, people can take care of it and people are used to it. People are used to it and what can you do? It's pretty shocking, to be honest. It's bad state. I mean, it's worse than being in the village. You know, this is like the capital of the country, Yaoundé, and this is like one of the worst places where people come to do their daily shopping and sell their stuff. So it's pretty bad. It's pretty bad. C'est quoi grand frère? C'est la friperie? He's selling used clothes. People do what they want. I mean, people do what they must to, like, you know, sell whatever they can to make money. It's harsh life. C'est bon, non? Mais comme ça, c'est pour le colossal. Oh, man. We're in the forest.
Road's pretty bad. Easily slip here. It's here. Yeah, hurry up. You see? Down there. Yeah. There we go. There we go. Pretty steep. Pretty steep here. Gotta follow. So all of this going all the way back there, if you can see all the way back there, this is my dad's land, as in his stuff. So yeah, this is where my dad's plantation and everything he the land he owns in the forest, this is it. I don't see much. There's a few banana trees. Coffee trees. What's that? Nothing major. There's no cocoa plantations. There's prunes. I don't know how we call them in English. I just call them prunes. But yeah. So yeah, maybe a bit better look. All of this. Oh, my dad's land, my father's land. It's a proper pronunciation. Anyway, onwards and upwards. Mm-hmm. You feel me? See? Yeah. Don't worry. Well done. Tu veux faire comment pour voir encore? Se lève un peu. Parce que maman, je te dis. Oui, reste comme ça. Reste comme ça. Reste bon, comme je te montre, reste comme ça. Oui, parfait, reste comme ça. Alright. So, we're at a cocoa plantation. My cousin's cocoa plantation. And there's lots and lots of cocoa around. Now, you partner, no? Can I take one? Partner? Well, he said I could take one. Non, il faut couper avec la machette. Coupe avec la machette. Pas besoin de la machette. I don't need a machete. It's good. Well, this one's a good one. Montre. Yeah, so I'm gonna go ahead and try this. I ate one yesterday, but it wasn't much. But well, this for me. It's gonna be hectic. Thank you. Right, well, merci, hein? Thank you. Thanks for the thing. Gabriel, presente toi. This is my cousin, Gabriel. This is his cocoa plantation farm, and I can show you. He's got loads. There's God knows how many. So if I come here to steal some, I'm sure he wouldn't mind. Right, Gabriel? Jiwi, say yes. Jiwi. He said it. He said yes. So it's cool. It's cool with me coming here and taking some home. Alright, cool. I'm gonna go right there. C'est un bon cacao ici. Hein? Yeah. C'est un bon cacao. Mm. C'est bien, non? J'ai planté. Ça fait combien de temps pour monter? Ça j'ai fait 5 ans. Disons. 10 ans que 10 j'ai ans. Planté. Ça? Oui. Wow. Ça, il y a peut-être 10 ans. Mmh. Right. Le cacao aussi. Wow. Et le genre là, c'est les curés qui mangent comme ça. Les curés. Mmh, je vois. C'est les curés qui mangent ça. Apparently, les curés, le petit curé. Qui mangent ça. Mmh. Et attends, le rouge que tu manges, the red ones.
On mange le rouge. Le petit petit là. Le rouge. Oui, le rouge. On mange ça. On mange ça. C'est, ah. Ça, c'est le combo. C'est petit petit là, c'est le combo. Ce gombo? Oui. Ah, ok, ok, ok. On appelle ça le combo, le petit petit là. Le combo, ok. On peut faire la sauce combo. Sauce, uh-huh. Avec. Ah, ok, ok, oui. Oui. Je savais pas que le gombo oui. Grandissait sous les arbres de cacao. Uh-huh. Je savais pas. Non, on fait ça, on prépare ça. Ah, ok, ok. I didn't know okra grew on. On met ça sur la sauce. On cocoa trees. Mm-hmm. Et j'ai demandé, tu n'as pas répondu à ma question. Les rouges, donc, les cacao rouges, non? Comme rouge. Rouge, hein? Uh-huh. Tu là-bas, on mange ça, on mange le rouge aussi. On mange comme ça, comme le jaune. Le rouge? Oui. Oui, il y a ça là-bas. Non, je demande, on mange le rouge. On suce. Ah, comme ceci, hein? Oui. Et pourquoi on a toujours l'habitude de manger alors le jaune? Hein? Pourquoi on a l'habitude de manger le jaune et pas le rouge? Bon, on va aller cueillir le rouge là. Les deux sont sucrés? Oui, les deux sont sucrés. Ok, ok, donc un grand. Ok, ok. So he says that we can also eat the red ones as well. Apparently, he says that we can eat the red ones. I have the habit of eating the yellow ones, but I asked him if what about the red ones, if they're edible. He says yeah. So we're gonna go and cut some down now. Je coupe. Pourquoi tu prends un poster? Je suis ici, tu es là-bas. Pourquoi tu prends un poster? On peut lever la tête. Lève un peu la tête pour voir le village. Ok. Pourquoi tu me montres pas normal? Il faut bouger. Dans le village, qu'est-ce qu'on peut changer, ce qui manque dans cette province, c'est le problème de l'hôpital. Il faut construire un centre de santé. C'est quand les gens viennent, ça c'est la maison de papa et maman. Tu penses que même la route pour nous venir sur le village, ça sert? Non, c'est ça qu'il a dit, qu'on doit commencer par là, avant de voir si, comme la lumière est venue, il faut que la lumière arrive aussi là-bas. On a chez nous. C'est pas normal qu'un chef vit sans lumière. Il y a aussi le problème d'eau. Tu vois un peu, c'est ça le seul pour nous. Ça ne va pas bien. Tournoi.